Oh, rends-moi la trottinette. Oh, rends la trottinette. Oh, allez, appelez-le, votre collègue, là. Vas-y, non, pas cher, Sophie. Vas-y. Si tu n'as pas tout suivi, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. En rentrant de la balade avec mon chien, je me suis fait voler ma trottinette. Et pas de chance pour eux, j'avais mis AirTag dans la trottinette. Du coup, je l'ai géolocalisée, elle est à 40 minutes de chez moi. J'équipe mon chien et je m'équipe et go la récupérer. Le GPS m'a ramené devant ce groupe de jeunes. Je me suis donc rapproché et là, j'ai aperçu ma trottinette. Du coup, je leur ai demandé de me la rendre, mais ils ont pas voulu. Ils ne me croyaient pas que c'était la mienne. Du coup, j'ai retiré le AirTag et je leur ai montré. Mais le gars n'a rien voulu savoir. Du coup, obligé de lâcher Nino. Vas-y, non, pas cher, Sophie. Vas-y. Nino a réussi à le stopper. Du coup, je suis vite parti récupérer ma trottinette. Mais là, regarde ce que j'ai trouvé. Le gars a perdu sa sacoche. Regardons ensemble ce qu'il y a à l'intérieur. Du coup, je me suis caché, je me suis mis là, j'ai ouvert la sacoche. À l'intérieur, c'est du n'importe quoi. Il y a une seringue, il y a de l'espèce. Là, j'ai trouvé cette montre Hublot. J'ai regardé vite fait sur internet, elle coûte 200 000 euros. Et là, surtout, c'est ça. C'est 10 000 euros que j'ai trouvé, je crois, les gars. Bâtiment 7 avec le code et numéro de boîte aux lettres. Je crois que je vais aller de suite. Comme ça, c'est fait. Et je vais récupérer.